haïtien qui en Haïti, haïtien qui a vivre en dehors du pays. Jean Aristide Dadi, haïtien qui est dans le 11e département, nous saluons. Nous connaissons un peu d'intérêt à l'émission ça chaque après-midi, puisque c'est un carrefour qu'on ne doit pas manquer, qu'on ne doit pas rater, qu'on doit toujours passer là-dedans chaque jour, avec des oreilles vraiment à l'écoute, pour entendre et qui s'est dit, qui s'est pas fait. Nous saluons tout le monde, nous sommes contents que nous là encore après-midi, comme nous faisons ça d'habitude pour nous parler politique. Bonsoir, Capane. Président, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Valéné. Bonsoir, Charles de Gaulle. Sans oublier notre Lombard Moza Ferme à la barre, notre rédacteur. Et donc, en pile, chaque fois, oui, mais vous avez gros salutations pour Lombard Moza qui permettent qu'il y ait des articles de tous les jours hein, pendant nos émissions. Eh bien, nous présents, nous là, nous prenons garder ensemble actualité politique là. Opposition fait gagner, fait souhaiter la bienvenue, la plus cordiale bienvenue au sénateur Lambert, même si nous est département sénateur Lambert, là, on était déjà gagné, il y a deux ennemis qui sont alliés pour voir là, et venir gagner sénateur Lambert. Donc, de toute manière, nous, avec le président Jovenel Moïse, continue à marquer point, surtout dans le beau négatif, là. Le décider, mettez mon qui plus utile li, de côté, et la faire route avec un série de monde, tant que Reginald Boulos, qui est au cavalier Paul Cadre, l'apocalypse, maladie incurable, des cancers, vous comprenez? Qui est autour de lui dans le palais national. Mais il faut que nous comprenions tout. Même si il y a un pile scandale que nous dans le palais national impliqué, par exemple, scandale kit scolaire qui mettait ministre Bellevue dehors dans l'affaire sociale et que lui-même y a contexte sous ça. Donc, si parfois il cherche volet, il y a demandé pour descendre dans le Parlement. Si parfois il cherche volet, il y a un palais national. Mais bon, l'autre monde qui était dit, le peuple a le responsable ou le président qu'il mérite, eh bien, le président de la République, quel que soit le monde côté lui, t'a corrompu. Si tu as des mondes qui a fait d'appuyant sous tes crasse sacrité pour le peuple en joigne et pas qu'à joindre, et qui a empêché le président lui-même, sans doute, collaborer avec le monde qui a aidé, eh bien, le président a le staff qu'il mérite. Si ce sont des corrompus, eh bien, de toute manière, il a les gens qu'il mérite. Et là, je vais vous saluer une historienne qui est dans l'émission Matin Débat, Madame Savannah Savary. Ben voilà, Valené, donc nous présents, c'est notre aîné. Bonsoir Val. Bonsoir Gapane et bonsoir président Jean. Et Charles de Gaulle qui a assuré les manœuvres techniques. Et j'ai bébé tout le temps et invité nous dans un studio que PIA, je ne sais pas le connaître, Lombard Moza, dans le PIA, et tout le monde qui a porté à l'étranger, nous là, et dans le pays, côté que situation très difficile, parce que l'indice macroéconomique est en rouge, et la question de sécurité publique est toujours à poser. Donc, on a dit son situation qui n'a pas gravé chaque jour. Et donc, chômage là, il continue tout après extension. Mais comme pratiquement nous avons mission, maintenant, il se passe ça, il se libère. Et nous là, pour analyser, pour regarder avec nous. Et il y a 4 années comme mission, comme contribution pour nous porter la société. Donc, son messe, et que nous parlons. Discuter ensemble, commenter et garder les faits et marquants de l'actualité sociopolitique. Gary, bonsoir. Bonsoir Marco, bonsoir Val. Bon, saluer tout le monde, campagne, et nous parlons avancer
rapidement parce que beaucoup de chargé par moi. J'ai suivi Dio Lambert ce matin. Je suis en interview. Je suis en train de tout petit et puis je suis. Je félicite Valérie. Mon interview sérieux, bien faite, bien, mais solide et intervenant à tout et à la hauteur. C'était deux mondes qui étaient la dimension de la page. Mais bagaille beaucoup fin balé. Reste bagaille supposé parler après-midi là. Et c'est sous base information que reste bagaille va le balé. C'est-à-dire, John Lambella. Hein? John Lambella, Dieu avec nous. Nous parlons de causer. Nous causer. On nous dit donc à 5. On m'a commencé, on m'a commencé à aller. On va aller. Dieu le bien, bonsoir. Bonsoir Gary, Marco, tout camarade qui est là net. Bonjour à mon, bonsoir à mon sud-est. Et puis toute équipe Comité National, là, qu'on a, Anana, dans tout pays, là, et dans le pays étranger. Là. Et puis bonsoir à tous, à peuple haïtien et à tous les collègues sénateurs, députés, leaders de partis politiques qui connaissent que ma place, je ne veux dire, dans l'interview côté déjà en interview qui a annoncé les couleurs. Bon, et ça fait un peu de suivre l'interview, on va commencer même à parler parce qu'on a une mission. Bonjour, on va commencer. Donc, mon ami, j'ai commencé en l'autre jour avant. Et sénateur Joseph Lambert, moi, t'as aimé tout d'abord pour expliquer à pays à quel moment, ou même comme sénateur de la République, où tu dit président qu'on est intéressé pour le Premier ministre. C'était le samedi. Le samedi, la veille du choix du nouveau Premier ministre à la personne de M. Fritz William. J'étais pas seul. J'étais accompagné de 7 sénateurs. Et parmi sénateurs sérieux, mais des sénateurs du groupe G7. G7, oui. Les sénateurs sérieux, t'es Sildor, t'es Fétier, t'es Cado, t'es France Denis. Tu as gagné Ralph Fétier, tu as gagné qui est-ce encore? Nous étions 7. Nous étions 7 sénateurs. Nous avons choisi pour que nous approchions question avec le avec président parce que la dernière fois dont le président n'a pas porté choix sur moi, le président t'a dit adieu, je ne sais pas si tu es intéressé vraiment. Parce que tu ne l'avais jamais dit. Moi, je dis en fait, président, j'hésitais aussi. Surtout que j'ai gagné un camarade, moi, un ami, moi, Michel Lapin, qui était haï, mais qui n'a pas gagné une réelle prétention pour venir au Premier ministre nommé, et il m'encourageait à soumettre ma candidature au président de la République pour être nommé Premier ministre en son remplacement. Parce qu'il n'était pas tellement intéressé. Je n'étais pas trop intéressé. Parce que j'hésitais entre un mandat de sénateur de 4 ans et demi, un poste de Premier ministre, comme je vous dis, qui n'est autre que l'expression politique de moment. Un fusil mouillé. 60 députés mal dormis, et puis demain matin, je passais sans sourd. Je suis sans sourd. Ces sénateurs font vieux rêves. Ils sont venus dans la galaxie, je ne sais pas si c'est Mars ou bien si c'est dans la planète. Et puis demain matin, vous payez pour casser. Alors, j'ai hésité. Mais la dernière fois, on pile sénateur, on pile secteur, on pile amis de l'international, des leaders politiques de tout poil. Et me dit, sans distinction ni exclusive.
et m'a capable en mes jours pour me dire journée jeudi. Tout le monde savait, c'est des gens qui te dit adieu du très haut, ça va. Et j'ai une situation présentée là, nous pas qu'à quitter ça que Val t'a dit tout à l'heure, assister impuissant à un décode goud là, en misère chronique qui a accentué de plus en plus, à un chômage accéléré et en famine qui a accentué. Tout ça mettez-nous dans une situation où en pile camarades, collègues sénateurs, tant que députés, tout comme les députés de l'opposition, hein, mm-hmm. de l'opposition dure. Je dis, mon cher, il faut une alternative. Je dis, monsieur, l'alternative n'est autre que arriver à constituer, mettre sur pied un véritable gouvernement de cohabitation. Et puis, je vous dis, mon cher, vous n'avez pas fait comme ça. Un gouvernement de cohabitation sans accord. Ce n'est pas possible parce que secteur vers lequel, vers lesquels vous voulez aller pour entrer dans la cohabitation, pas accepter d'entrer dans la cohabitation et par conséquent, ce sera un mouvement mortif. Dit, il faut d'abord un transit. Et pour que cette transition ait lieu, il faut quelqu'un de confiance qui puisse rapprocher les deux extrêmes. C'est dans ce cadre-là que j'ai choisi délibérément, en présence des sénateurs, présents au nom de Dieu sénateur, et pour me dire, président, moi prêt pour me faire un sacrifice. Si Michel Lapin gagne 1% chance de passer toujours dans le Sénat, je serai aux côtés de Michel Lapin. Parce que pour rien au monde, on va plaguer Michel. Si par contre, on t'a changé de stratégie et que tu souhaiterais t'orienter vers un autre choix, on va être une autre orientation, là, ça a connu là, on offre une tête, moi, en holocauste. Pour que nous voyons qu'à sauver la République et du même coup protéger nos institutions et les mandats de ceux-là ou celles-là qui les dirigent. Quelle a été la réponse du président? Président, font-ils sursauter? Et dans ce jeu, moi, je l'ai accueilli avec, comme c'est politique, un peu de satisfaction. Et c'est ainsi que le président dit que on jambé dans la salle à côté pour aller manger. Nous jambé dans la salle à côté et le président de me dire, Joe, est-ce que dans 24 à 48 heures, capable mon gouvernement? Le président, 24 à 48 heures, quel que soit le monde qui vient de ça là, moi je sais quoi. Parce qu'il y a une procédure. Il faut qu'on on arrête de sortir. Il faut qu'on lettre qui a des jeunes président de Chamio. Il faut président de Chamio même écrit. Après ça, il faut venir déposer pièce. Etc. 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 Moi, je dis que 24 à 48 heures, sûr, à partir du moment où rapport là, produit par commission, qui travaille sous l'IA et puis soumettre à l'Assemblée. Le président, je vous assure que je vais passer 2 heures au Sénat. Et monsieur m'a tout dit, nous ça, si je vais venir au Sénat, je vais venir pour perdre du temps. Et puis je m'adressais aux autres collègues. Mm-hmm. Je vais venir pour perdre du temps, hein. Monsieur m'a tout dit, nous ça. Parce que le mandat est clair. Puis quand je viens parler de route, je viens parler de l'hôpital, de dispensaire, bah, ça va régler là. Moi-même, mon mandat précis de 3 à 4 mois. Pour plus ou moins simplement initier un dialogue, joindre un accord, et puis mettons un gouvernement de consensus qui est pour implémenter les conclusions et recommandations qui sortiraient de cet accord. Par conséquent, nous sommes nègres qui gagnent un mandat précis.
Moi, je dis, président, je suis le seul à pouvoir le faire pour l'instant. Je ne dis pas que l'autre, non, mais pour l'instant, je suis le seul à pouvoir le faire. Parce que je suis capable de parler avec tout le monde, ça, qui est tout côté là. Et je suis certain que je fais 2 votes dans le Sénat. Je fais minimum 23 votes. Et je fais reste dans la Chambre des députés. Consultation que moi, je fais déjà. La bombe 88 votes au niveau de la Chambre des députés. Et il n'y aura pas de l'orbeille pour que ça me dit. Très bien. Joe, là, au fin de faire approche ça, dans la chambre d'à côté, vous discutez avec le président, vous échangez avec elle, gagnons élément à pas oublier, m'a dit tout le monde, évitez-nous, c'est sénateur Joseph Lambert, nous faisons interview avec elle sous base d'information. Et pas question seulement, mais d'information. Lorsqu'on parle avec le président, c'est un dilemme qui est posé. Le dilemme, ça veut dire, il faut te convaincre la paix pour la paix démissionner. En ce sens, qui démarche ou t'es fait, parce que quand même, la paix c'est bras droit tout, qui démarche ou t'es fait auprès de la paix lorsqu'on parle avec le président. Le lendemain, dimanche. 107.7 FM Stéréo. Scoop, scoop. Moi, allez, j'appelle. J'ai reçu un appel du Premier ministre Lapin. Et puis, il dit, Joe, couteau. Moi, il dit, ma roue pour j'appelle. Il dit, ah, couteau à pied, j'appelle. On va monter la caille au bassin bleu ou bien au bal d'enferme. Moi, il dit, mon cher, je vais un plan. Ça gagne. Il dit, mon cher, je vais le porter au prestat à 11h. Ou bien midi, quel que soit l'arrivée Jacques Mel à Formo. Mais tu sais, débat qu'on est gardé politique, ou pas gagné pour relater tout détail. Oui. Parce que moi, je suis un homme d'État. Quel que soit différent que je gagne avec Jovenel, je suis différent sous des principes. Oui. Sous ça que nous sommes capables de voir ensemble, nous avons fait, et pourtant, bon maladresse quelque part, ou bon mésinterprétation, ou incompréhension, ou bien, ça que je mettais en majuscule, une méfiance du président par rapport à moi-même. Et sur cette base, je dis, Michel, mais aussitôt arrivé à Jacques Mel, ma forcine. Je dis, côté, il dit, je vais faire cimetière. Puis je descends. Je vais aller. Effectivement, on avait deux mounes. On en fait deux mounes, nous montons l'autre machine. Moi, je parque la machine devant la caille Michel, tout seul. Comme deux amis, comme d'habitude, entre nous. On n'a pas. Oui, mais on parque la machine. On est qui paraît là, madame, comme sous côté là. On fait maintenant poche, même garder mon 100 dollars américains que je gagne. Michel dit, oh, je gagne. Et voilà, les gars, ils disent, bon, moi, bon, 200 dollars, je vais. C'est 500 000. Je dis que c'est 500 000. Et sur bazar, il dit, nous parler de trois autres détails que je choisis pour ne pas relater. Et je ne vais pas me relater autour. Ça dit, jusqu'à ce que je mourie. Mais nous avons des bagailles pointues que nous avons dit. Et tu dis, ah. Joe, on s'est passé, il faut faire bien attention. Parce que démarche qu'on fait là, sont des marches que je ne comprends ni pieds ni tête ni autre, etc. Pour seul monde pour me démissionner, c'est vous-même. Non, mais tout le monde tendait. Ça, Joe se dit là. Premier ministre Lapin, et ça que tu as fait l'émission avant ça, dit c'est pour seul monde là, démissionner. Scoop. Mon cher, je dis, monsieur, mon bagaille. Je te connais. Je dis, mon bagaille. Je dis, mon cher, il ne faut pas dire ça, non. Il ne faut pas dire ça. Mais qui ça, parce que. Il y a des situations qu'on connaît. Lors des missions, après, tu ne peux pas me rendre compte même de ça. Je ne peux pas me rendre compte même de ça. Pas une question, ça. Je vais me dépasser. Je vais me dépasser lors de des missions arrivées. Parce que nous vivons des situations similaires dans la vie politique. Ouais. Situation sérieuse, il y a les plus vite que ce que tu as pensé. Effectivement, c'est ça qui produit. Alors, est-ce que tu as rencontré Michel Lapin? Oui. Nous t'ai rencontré. Et nous avons discuté de l'autre bagarre à côté de ça.
Maintenant, Dion, là, on finit par là avec Michel Lapin, et puis on entre la caillou. Président Jovenel vient de rendez-vous avec le président de Deschamps. Et bon monde qui est là, nous m'a dit, mais Negio a monté. Est-ce qu'on pas trouvé l'état nécessaire pour t'a parler avec Negio? Qui s'est passé entre temps pendant Negio a monté pour le président? Parce que le président était venu chercher pour choisir le premier ministre. effectivement, c'est comme monde qui était relé moi. Et était attiré attention sur ça. Et comme de fait, juste là ça, on ne peut pas faire l'appui tout. T'es bon l'appui, si je ne pas trompé, soit ça, t'es bon l'appui, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai appelé mon président, il est le sénateur Cantave, pour me dire, président, côtoyez là. Il dit, ah, on ne pas suivre le groupe là. Je dis, je ne pas regarder, non, ce forum là. Il dit, ah oui, moi en route là, je vais aller voir le président, convoquez-nous pour nous capables de faire choix pour le ministre. Il dit, vous connaissez, même sentiment. Il dit que, il y a un candidat qui sait où. Et que, moi je dis, ah ben ok. Moi je dis, seul bagaille que m'a dit où, pas forcer la note. Pas forcer la note. Mais quand même, je dis non, c'est important pour que c'est où pour le moment. Parce que nous faisons double check, pas tout. Bon côté, certains sénateurs de l'opposition, moi que tendance en favorable. Si ça a son issue, ou bien le cas aider nous, il faut en profiter. Moi je dis, mais good luck, moi je vais aller. Quand il y a quelqu'un en 10 heures, moi je dis, monsieur, moi je vais aller dormir. Et comme de fait, mal dormi. Mais il y a deux ou trois détails que je me décabarou dans l'intervalle. C'est pour ça que je me pose une question. Mais, en parenthèse, on compte qu'on va faire comme ça, on peut changer information pour l'histoire. La vérité, parce que ça est fondamental. Parce que ça c'est des pages d'histoire. Les non-dits. Parce que, politiquement, on a toujours gardé la partie visible de l'iceberg. Mais le côté masqué de l'iceberg qui est sous les glaces, nous n'avons pas jamais compris ça. Et c'est justement ça qui permet que nous nous découvrions là ensemble avec Marco et puis Noval, etc. Dans l'intervalle, on ne peut pas faire moins une appréhension. Et ça m'a dit là. On ne peut pas avoir un souci pour dire que. Ce n'est pas moi qui ai choisi. On a considéré que c'était on l'est à la poste. Parce que le président, durant le dîner, te font tour de table pour lui dire, monsieur, ça nous pensait avec proposition du là. Presque tout le monde, je dirais même unanimement, te dit, ah non, président, bon, ça, on l'est à la poste, etc. Nous t'as allé même plus loin même pendant l'échange. Là. Des bagages que je n'ai pas dit Valérie matin. Là. Merci. Parce que m'estime, Scoopio, c'est Scoop qui peut venir tout. On dit, Scoop. Le président, on dit, président, on prêt pour me sacrifier, madame, pour sauver la République, pour la République, pour bien dire, pour la République et sauver mon mandat. Parce que la République, là, pas qu'à surtout gagner un état privilège, même pas jamais un état sacrifice. Lorsque la République est menacée, il faut qu'il y ait des sacrifiés. Je veux être l'un de ces sacrifiés. Pourquoi pas le premier? Et puis me dire, moi je connais la première fois où tu as dit un bagage de moi, tu as dit, oh, ben, venez, tant que, comme premier ministre, c'est un coup, un tremblement de terre, 9.0, mélangé avec cyclone, tempête, inondation, et autres, etc. Il dit, non, non, ben, pas de me dire le vrai. On fait le crédit à que le pas dire. Mais cela m'a été rapporté par l'un des présidents des deux chambres. L'homme qui était fou, hein? Oui. Je suis un homme d'État. Oui.
qu'on y a pas cherché qu'on est qui est là dedans mais pas dans bouffe à jamais qu'on est. Et à ce moment me dit président scoop mais ça va le ba nous comme avantage parce que le problème qui gagne la journée jeudi à président pour résoudre 75% de problèmes dans le parlement. Parce que si le Parlement permet que passe le gouvernement ou un gouvernement légitime, il y a pile de bagailles qui sont capables de suivre. Et par conséquent, il y a un ensemble de mesures qu'on a adoptées qui sont capables d'atténuer ce choc-là au niveau des rouges. Et sur cette base, focus-là, c'est sur le Parlement que vous mettez. Moins capable d'aider dans le niveau ça, parce que je suis capable dans le Parlement comme Premier ministre. Et moi, dis tout par la même occasion. Si tel est le cas, nous sommes capables de garder pour nous. Si je fais un, nous faisons ça, nous sommes capables de passer le budget, nous sommes capables de rapatrier et récupérer le cob que nous avons porté pour nous. Et en termes d'appui budgétaire, nous sommes capables de signer encore bid là, nous sommes capables de voter et loi accord sous courant. Concours, yes. 150 millions. Je me dis, il y a un ensemble de bagailles qui arrivent derrière en cascade. Et vous êtes capable même, si le calme revient normalement, dans la sérénité que nous capable de créer, les conditions que nous créons, vous êtes capable même de tenter de garder pour eux. Si nous n'avons pas un amendement constitutionnel et où est-ce que nous avons gagné l'élection le plus vite que possible. Je dis, président, mais dans le cas précis, nous prenons pour me faire sacrifice ça. Mais mon bagage maintenant de retour en retour. Parce que ce faisant, nous choisissons pour mettre un terme à carrière politique au niveau donné. Je suis un ministre dans la ville. Pendant beaucoup de temps. Je ne suis pas capable de premier ministre, je ne suis pas candidat pour Kazek, ni pour magistrat, ni pour rien. Je ne suis pas candidat pour président, je ne suis pas candidat pour rien. Parce que tout ça dans la Constitution dit avoir reçu des charges de sa gestion ou pas la donne. Et sous base ça, je choisis pour m'hypothéquer au bon parti dans l'avenir politique. Je ne suis pas prêt. Je suis prêt pour me faire. C'est bon. Mais président, l'homme finit de faire sacrifice ça. Et puis, je vais aller s'il dort à côté. Je dis s'il dort, mais ça me va demander président. Pour président, vous et moi, comme consul Santiago, nous finissons par une distinction, une médaille avec autre grand chevalier, grand croix, je ne sais pas, comme quelqu'un qui. Durant son passage, a servi la République. On n'a pas besoin de rien. Encore. C'est ça que vous demandez. Et c'est le ça qu'on y a là. Il y a un sénateur Fitier qui est intervenu. Le président, il met le bail dans la tête. Il faut qu'on ait que le post-président, il faut qu'on mine, si vous pouvez, si vous mettez un jour, demain matin, on perd du pouvoir et autres, etc. Qu'est-ce que ça vous parlez de suspicion? Suspicion. Il dit, ouais, je te mettais même bail dans la tête, Martelly. Même genre. Je fais tout le temps Martelly avec lui. J'étais le dernier de ses conseillers qui t'a descendu dans le Parlement avec lui. Tout le monde a pris la poudre des scampettes parce que Martelly a été échu. Cela me dit Martelly, depuis le 27 février, s'ouvrir le 8 février, moi, je m'en fasse tout, je vais le déchouquer tout. Parce que je ne peux pas vouloir être plus loin que ça, je m'en finis le 7 février. Et comme de fait, je reste et demeure encore l'ami de Michel Martelly. Parce que c'est la logique de loyauté en politique qui doit caractériser le comportement d'un politique. Et c'est ça qui caractérise. Alors, comment accepter de prendre un poste de premier ministre, de président qui t'a fait confiance, et puis qu'on y a là pour t'a fait manœuvre, pour faire qui ça, pour prendre poste président, sous un président pour l'élection. Ceci dit. Et ceci dit, dernier scoop là. Scoop. Fétière me dit, ah, si président, qui sont en plus au café pour mettre le président en confiance? Me dit, mon cher Bagan, en plus encore comme café. C'est au président de choisir, de décider.
Et puis, Fétier dit comme ça. Ah. Est-ce que vous faites une lettre d'émission ou balil sans date? Je dis, bon, ma bio, ça c'est petit bagaille pour me faire. Ma belle président pour. Président, sous nous, mon égounia là. En janvier, par la chambre députée, un tiers sénat boilé, pratiquement, ou bien les rênes de bagaille dans le monde. Si vous parlez mon nègre, absolument pour un décor, on doit arrêter au changer. Ce n'est pas besoin de personne. Mais si c'est ça, au besoin, c'est plus petit bagaille, parce que si vous président qu'à faire confiance, si ça, on va cabaler pour nous dormir en bas tête. Veillez seulement pour rater pas le mordre, manger papier. C'est une blague. Et puis on dit, je suis prêt aussi à le faire. Pour sauver la République et pas pour le président. Pour la République. Voilà. D'accord. Je crois que j'ai suffisamment fait pour essayer de permettre au pays de sortir de ce mourbier politique. Parce que sans nous pas rendre compte, je vous dis, situation extrêmement compliquée et la solution, quelle que soit forme qu'on balie, quelle que soit la forme qu'on cherche à jouer là-dedans, ou pas sortir sans qu'on ne casse les yeux. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, moi-même personnellement, je ne suis pas du tout prêt à être le premier ministre de Jovenel. Je ne peux pas l'être. Maintenant ? Non. Maintenant, on va arriver. On va arriver. Quittez-moi continuer, on va arriver. Parce que moi, j'ai mon schéma. Deux, trois questions, vous pouvez permettre de poser l'autre question. Avait dit, ou pas qu'au premier ministre, là. Mais maintenant, n'est-ce pas monté ou arrivé devant le président. Pantave a arrivé devant le président. Et il y a eu une discussion autour des premiers ministres. Les deux présidents, ils n'ont pas de sous maintenant, le président de la République, là. Et le président de la République, là, est-ce qu'il t'est parlé de où? Qui j'ai discussion ça a été en fait parce que sur route là quand t'as été pour parler de ça parce qu'il t'a ensemble à Gary tous les deux ensemble, est-ce que quelque part les deux présidents étaient convaincus qu'il a discuté pour ces noms ou même ils mettent sous table? Faut une nuance. Gary Boudou te dit clairement depuis maintenant, depuis le président vient avec nous sous table, tout le premier ministre tombé. C'est vous l'avez choisi. Et moi l'avez choisi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'abvenir dans lui-même. Non. Il n'y a pas de gain pour te pour nommer lui-même. Il faut être, honnête. Exact. Et pour Cantave? Pour Cantave, Cantave, j'ai dit, même la pour nommer. Est-ce que ceci a été fait? Et comme de fait, c'est Cantave qui a introduit mon nom auprès du président. Et Gary Boudou a appuyé. Très bien. Dans la liste soumise par le président, à deux présidents, mon nom n'y était pas porté. Exact. Mais information. Mon nom n'y était pas porté. Cela voulait dire des thèmes clairs. Je n'étais pas l'un des premiers ministrables du président de la République. La pompouse.